Bonjour, bonne journée tout le monde. Bonjour. Bonjour, Lorsi, partage bip tout le monde. S'il te plaît. Je suis fâchée ce matin, non, je suis pas fâchée. Je suis juste un peu souffrante, hein. J'ai la grippe qui me menace là. Comme je m'entête à ne pas me mettre, en arrêt maladie. Je me gave des boissons chaudes et tout ça. Et ça va aller. Alors, il est 7h41. On est là jusqu'à 8h41, donc on a 1 heure de direct. Partagez, s'il vous plaît. Ngondja, tu as parlé de moi. Ah. Bonjour tout le monde. Bipé tout le monde. Attendez, moi-même, je partage d'abord mon live. Avant de revenir. Je partage d'abord mon live. Gonjal, vraiment, pitiation for you. Bonjour, merci beauté, beauty, ma sister, ma soeur à moi, ma soeur chérie. Bisous là-bas, je te claque les bisous depuis ta position. Merci beaucoup, Nancy. Donc, Gonjal a osé parler de moi. Bonjour et bon réveil, la rose. Bonjour. Gondjan, hey. Attends, j'arrive sur toi. Attendez, partage d'abord. Bipé tout le monde. Gondjan, maman, les pleurs de ça. La victimisation de ça. On vous avait dit que c'est le temps de Dieu qui est le temps. On a le bandé Nipunda. Maman, la victimisation de ça. Maman, les pleurs de ça. Oui, je suis. Je suis grippée jusqu'au dents. Ça, c'était d'abord ta fille qui avait. Tu sais que quand la grippe vient dans une maison, ça n'est pas. Quand c'est fini chez elle, là, c'est venu se poser sur moi. Là où je suis là, j'ai seulement ça. Mais je n'ai pas envie de me mettre en arrêt. Je vais aller travailler. Parce que je sors des vacances, là, arrêt maladie, là. Ils ne te payent pas comme il se doit. Ils n'aiment pas me mettre en arrêt. Gondjal. Gondjal a parlé de moi. Je suis en train de partager après vous, mais. Et Gondjal. Elle dit que moi, elle appelle Gondjal parce que moi, je suis tout le temps rassasiée avec les crottes de nez. Maman, même pour avoir les crottes de nez là, pour que les crottes poussent, il faut que tu sois bien nourrie, hein, maman. Mais les crottes de nez là, c'est un caviar, tu sais pas ça. C'est du caviar. Ça dépend de ce que tu manges pour avoir une belle côte. Tellement toi, la famine veut te tuer que même une côte ne peut pas te se former sur ton nez. Angonjan, tu m'as cherché. Je vais te répondre. T'inquiète. On va d'abord écouter ce que Ngondjala a dit sur moi. J'ai vu ça chez Akin Ouvemba-Moise. Akin Ouvemba-Moise. On va d'abord écouter ce que Ngondjala a dit. Ngondjala, moi, c'est tes propres vidéos qui vont parler, c'est pas moi. Bye.
Je ne sais pas si c'est celle-là. Elle avait au même moment aussi, elle en a fait beaucoup de. Je ne sais pas si c'est celle-là. Elle était en paille. Elle aime le paille. Bon, je ne sais pas si c'est celle-là. Silence de sans côté, bonjour. C'est même ça. Il ne vous ment pas. La fée, si, qu'on dit que tu me réclames éclaircissante et tu arrêtes brusquement. Je ne pas ça. On a su aussi la sépou, plus son jardin. J'ai vu ça m'expliquer. Je crois que c'est ça ici. C'est mon cas, elle tourne le cou de tête à un enfant. Bonjour, le métis. Ça. Ouais. Je vais aller à 3 semaines sans manger le gombo, je suis malade. J'adore. Le gombo, j'adore. J'adore vraiment manger le gombo. Et c'est sûr que là, je suis en train de vouloir perdre le poids. Il faut que je perde au moins 5 kilos. Bonjour, le métis FDL. Le poids n'est pas bien. C'est pourquoi tu n'es pas habitué et tu commences à grossir là. C'est pas bon. Le poids est pas bon pour la santé. Je dois perdre 5 kilos avant la fin de l'année. Je dois perdre 5 kilos. Hey. Maman, je suis en live. Mais ça, c'est ça, même. C'est que je souffre, hein. Mon visage enfle, ça chauffe. Non, attends. Seul. Ça n'est pas ça. Ouais. La coupure, là, elle ça, c'est qui? Elle n'était pas chez elle. Un peu, j'ai pas chez Linda Monnerie. Elle est. Est-ce que chacun ouvre un bâtiment si j'ai vu ça? Non? Le chapeau que je mets souvent là, le collier là, c'est un notable qui me l'a donné. C'est un notable qui me l'a donné. Et qui m'a dit qu'on t'appelle ma feu. Pas ma feu. Il a dit ma feu. Pour ceux qui connaissent, je prononce même mieux. Le plat de ça. Il a dit, tu es ma feu. Contente de te voir aussi. Ah, merci. Blanche, Blanche, bonjour. Donc, quand vous cherchez les tribales sur la toile, vous êtes tribales, les filles de la toile, là. Okay. Vous êtes tribalistes. Et vous montez derrière ça. Vous êtes cachés. Les filles de la toile, là, n'ont pas de nom, là. C'est trop visible. Qu'est-ce qui est? Quand vous voyez, il y a une petite minorité de filles qui ont venu vers moi parce qu'ils ont compris que si elles me laissent, on va m'avaler. Les pleurs de chat. Si on laisse la fille ici, on va la faler. Ah bon, hein? Donc quelqu'un peut t'avaler, ma? Quand on t'avale tout le temps? Je ne veux pas être tribaliste. Je ne me justifie pas. Je suis en train de me justifier. Tu fais alors quoi, non, ma misa? Je ne me justifie pas. Je suis peut-être un quoi. Je suis un quoi.
Mais c'est les filles bagantées, les vraies nobles filles bagantées, pas les machins qui sont sur les réseaux. Là. Ah, les plats de chat. Les filles bagantées que je connais, elles ne sont pas sur les réseaux. Coucou mon fils, je vois. Elles m'intéressent même, elles sont sur les réseaux, mais. Moi, là, ça va pas, il dit pas boire la paix. Ils disent tous les jours que, tu fais quoi là-bas? Yé, moi, c'est la partie part de moi que j'ai entendu. Je suis. Les filles bagantées. Ma mère, la mère qui est décédée, la langue, c'est une fille bagantée. Bagantée. Même ma femme, oh, wow. Ils ont pour moi, la plus belle qui était au courant, elle a donné à moi ce livre. C'est pour vous dire, donc, allez chercher encore d'autres choses pour mettre sur moi. Allez chercher ailleurs. Oui, non. J'entends les gars, les gens qui sont dans les ténèbres, dans le noir, sont en train de parler, que il n'y a que les Américains qui l'aidaient, qui lui donnaient, vraiment, elle vient aujourd'hui cracher. Malheureux, Seigneur. Il y a plein de filles américaines ici qui nous soutiennent, elles sont aux États-Unis, plein, qui détestent. Les autres qui sont même de l'Ouest là aussi, alors pour ah, vous qui détestent, qui n'aiment pas leur comportement, qui ne sont pas dans le faux. Toi, parce que toi, tu es dans la vérité. Et... Il y a plein. Toi, tu es trop dans la vérité. Coco va de bonjour. Vivi William, bonjour. Bonne journée à toi, merci. Amen. J'ai annoncé ici, j'ai fait un live où j'ai annoncé, j'ai écouté le jeune m'a parlé, qui me dit de reprendre avec mon émission. Oui, je vais reprendre avec mon émission. C'est parce que là, pour l'instant. Dans l'émission, la fainéantise mon combat. Pour là, on dérange un peu. Ah bon? La peau te dérange, ma mise. Mais le bon, c'est que je ne sais pas, quand j'ai personne pour. Passer à l'émission, ça me casse un peu. Ah oh. On n'a pas besoin d'acheter des appareils. Seulement comme ça, on parle, on nous écoute, on peut s'amener des conseils. Et où? Et pour qu'on connaît. Donc quand je lance un live, des personnes peuvent monter, venir donner des conseils. Sur la toile, il y a des clans. Maintenant, on ne va pas se mentir. Il y a des clans aujourd'hui. Il y a toujours eu les clans. Quand tu la couverture de son côté, hein. C'est comme ça. Il y a toujours eu les camps, tu es petit, ce n'est pas quand ça t'arrange. Je pense que je suis déjà venu ici un jour. Il y a toujours eu les clans. Et toi-même, tu fais partie des gens qui ont formé ces clans-là. Ce n'est pas quand ça t'arrange. D'accord? Voilà. À une époque, tu étais bien dans un clan avec Fleur de Lille et Monsieur Messang, non? Voilà. Si les choses sont inversées. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que tu viens de découvrir qu'il y a les clans? Chacun tient la couverture de son côté. Il y a toujours eu les clans sur la toile. Voilà. La toile fonctionne comme ça en clan. Insulter quelqu'un avec sa tribu, hein? Ah bon? Je ne viens pas me victimiser. Toi qui t'as insulté avec ta tribu? J'ai pris une proposition. Ouais. Je suis venu ici, j'ai dit que je ne veux plus les clashs. Ouais. Dans ça. Ouais. Vous avez dit non. Vous qui? Comment tu es venu, tu as dit que tu veux plus les clashs. Bonjour Marlis Kik. Tu as dit que tu veux plus les clashs. Vous avez dit non, vous qui. Donc on te commande. Donc tu es téléguide. Donc tu ne peux pas prendre une décision ferme. Tu restes concentré là-dessus. Tu vas s'occuper dans le clash. On va s'occuper de tirer. On va le tirer. Non, ça. Si toi tu ne clashes pas, tu vas manger quoi? Hein? Toi, tu peux vivre sans clash. Si tu ne clashes pas là, si tu n'insultes pas les gens, tu vas manger quoi? Parce que c'est quand tu insultes les gens, ouais, que tes gens, tes haineux qui te suivent là, sont contents. Ils t'envoient les 50 euros. Ils t'envoient les 10 euros. Hein? Là, ils sont contents. Tu as insulté quelqu'un. Là, ils sont contents. Si toi, tu ne clashes pas là, tu vas manger quoi?
vous allez me laver, je vais répondre. Vous me lavez, je réponds. Parce que toi tu donnes, tu sais, toi tu pommades les gens. Les gens se lèvent pour rien. Il dit bah bon, le Gloria n'a pas, il dit bah bon, le bas, ça. Les gens se lèvent pour rien. On te lave. N'est-ce pas? Tu es sain. Zara, bonjour. Oui, c'est toi. Et je choisis qui je réponds. Il y a les non-nèmes là. Ils sont en train de dire. Là, comme ça, je ne peux pas le répondre. C'est lui que j'aime mieux. Pour regarder celle-là, qui dit que. Elle parle de moi. Hein. Elle n'est pas coco aussi. Elle parle de moi. Qui me lave sur la toile comme elle là? Jusqu'à ce que même ma honte a foutu le camp. Bon, écoutez. C'est ma belle famille. C'est ma belle famille. Je fais comment? Toi, tu peux crier belle famille tous les jours. Quelqu'un d'autre n'a pas crié, ça parle belle famille. Tu n'as pas dit aujourd'hui que maintenant tes soeurs, tes belles soeurs boulent. Donc, toi, tu peux avoir les belles soeurs, les autres ne doivent pas avoir les belles soeurs. Elle crie quand même, ah, on t'a foutu le camp, c'est ma belle famille. Elle doit faire comment? Mais c'est ma belle famille. Ah oui. Ça te fait mal où? Hein? Ça te fait mal où, Gondjan? Que je crie que c'est ma belle famille. Est-ce que ce n'est pas alors ma belle famille? Tu n'as pas les belles familles, non, chez les boules, non? On a toqué tes fenêtres et tes. On t'a toqué les fenêtres là-bas où c'est les portes qu'on toquait, où c'est les fenêtres qu'on toquait, où c'est le couloir qu'on toquait, je ne sais pas. Tu n'as pas de belle famille. Tu m'as déjà vu venir parler, tu n'as pas de belle famille. Tu as tes belles soeurs sur la toile, non? Hein? Veuve Bolingo, que tu as insulté hier, insulté jusqu'à insulter sa mère, me raconter des inepties, des gros mots comme ça là, sur sa mère. Ce n'est pas ta belle soeur, ma. Aujourd'hui, vous ne nous appelez pas belle soeur. Hein? Est-ce que moi, tu m'as alors déjà vu insulter ma part de belle-sœur? Vous ne nous appelez pas belle-sœur. Hein? Je vous prends un témoin. Hein? Vous, ces avocats-là. Non, elle ne te calcule même pas. Hein, machin truc. Tu es sur elle. Chaque temps. Bonjour, chérie. Bonne journée. Chaque temps, il faut qu'elle sorte. Elle vient. Et quand elle me provoque, vous ne le voyez pas. C'est quand moi, j'envoie mes missiles que vous voyez. Là, voilà qui est en train de me provoquer. Écoutez. Moi, je peux encore associer mon image. Regardez-moi celle-ci, Langosa. Qui veut associer ton image? Tu as une image. C'est moi qui ne peux pas associer mon image à toi. Regardez-moi une idiote comme ça, là. Ça, tu te prends même. Tu as quelle image? L'image de la famille. D'une femme feignante qui ne sait rien. Tout ce que tu es en train de faire là, le temps que tu es en train de passer là, tu te lèves le matin. Hein? Moi, je suis en train de parler là. Je finis de parler, je lève mon sac. Je suis même malade. Ngonjal. Je suis même malade. Mais je refuse de me mettre à. La personne qui est en train de mettre les têtes de mort sur mes commentaires là. Tu as dit que la maudite était ta soeur. Vous connaissez où? Toi, celle-ci, c'est qui? Je te bloque ici, là. Vous connaissez où? Ça te regarde. Hein? Dégage de mon live, toi, là. Ici. Ne mettez pas les têtes de moi, s'il te plaît. Je l'ai déjà bloqué. Hein? Tu dis que. Tu dis que est-ce que moi j'ai pas encore collé mon image à aux gens comme ça là? Tu as quelle image, maman? Regarde-toi, tu te lèves un matin, tu vas déposer la petite à l'école, va chercher un petit truc à faire, va même laver les maisons des gens, va faire. Tu es assis en direct, tu fais la carte de la compassion. Oui, tu te victimises pendant que les gens sont dehors, ils se cherchent, les gens se battent. Toi, tu es la tête de victimiser, à découper deux gombos. Hein? Oui, celle-là, hein? Qui dit qu'elle est vacante comme moi. Hein? Regarde alors, elle me lave ici, qui me lave sur la toile ici, plus qu'elle. Je te lave parce que tu me fais honte. Tu es une souilleuse des gens. Tu as compris, non? Tu es une souilleuse des personnes. Gondjal, c'est moi qui te dis ça. Et tu ne peux rien me faire. Je te lave quand j'en dis.
Parce que tu es une souilleuse de personnes. Hein? Regardez Alain, hein, les filles bamileke là. Hein? Elles disaient qu'elles étaient tribalistes. Hein? Pourquoi le tribaliste, le mot tribal, avant tu ne parlais pas de ça. Chaque temps maintenant, tout, tu me, on a dit que je suis tribaliste, les pleurs de ça, on a dit que je suis tribaliste, c'est pour ça que les filles boules sont venues à côté de moi, parce qu'elles ont peur comme aval. Regarde-moi ça. Hein? Bonjour Vanessa et Vuna. Et c'est moi que tu viens chercher, tu viens provoquer. Que oh, j'ai qui veut coller son image à toi? Tu as quelle image? Ton image va me rapporter quoi? Hein? On cherche les vrais gens qui veulent coller mon image. Hein? Tu sais pas que de nos jours, là, le monde de nos jours, c'est du gagnant-gagnant. Toi, Ngonjala, ton image peut me rapporter quoi? À part la poisse et tous les problèmes du monde, ton image me rapporte quoi? On va coller les images aux vrais gens. Hein? Je colle mon image à Flore, je gagne. Hein? Toi-même, tu as vu comment tu mangeais. Et c'est quand tu étais avec Flore, tu pouvais, à part venir mettre la caméra pour faire les éloges de Flore, est-ce que tu pleurais la famille, comme tu la pleures là aujourd'hui là? Hein? Ngosap, quand tu étais la cour de Flore, c'est l'amitié de Flore que tu pleures comme ça là. Ton frigo était tout le temps plein, non? Hein? À l'époque, elle n'a pas mis ta caméra pour faire les éloges de Flore. Parce qu'on t'arrivait, c'est toi qui m'as cherché. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix. Hein? Koho, je n'ai pas encore collé mon image. Regardez-moi ça. Balok, choum, balok. Ton image m'apporte quoi? Ton image me sert à quoi? Ton image souillant là, maman. Hein? Quelle image? C'est une belle peau que tu as. Que je vais marcher avec toi en route jusqu'à ce que je vais être fier. Regardez-moi ça. Hein? Merde, on va tellement la maudit. Je n'ai pas encore collé mon image à celle-là. Tu as quelle image? Lis, tu ne sais pas lire. Écris, tu ne sais pas écrire. La belle peau même que Dieu t'avait donnée, que tu avais une très belle peau, tu as gâté ça. Ton image donc me sert à quoi? Ton image m'apporte quoi? Ton image va m'ajouter quoi? Hein? Tu ne sais pas que de nos jours, c'est du gagnant-gagnant. Je gagne quoi derrière toi? Tu vas me rapporter quoi? Hein? Moi, je suis avec les gens qui vont me tirer en haut. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les gens qui me tirent en bas? Toi? Pour venir te me retrouver sur ton live. Mais vous connaissez ma bouche, mais vous faites semblant bien, c'est comment même? Tu ne peux pas m'éviter, Ngonjal. Écoutez. Quand j'en ai à côté, elle me vilipende, elle m'insulte. Je te vilipende, je t'insulte parce que toi, tu me donnes le lait. Hein? Tu dis que, est-ce qu'elle n'a pas encore collé mon image à elle? Toi! Donc, tu voulais que je sois avec toi. Et c'est toi qui veux me tirer par le vers le bas. Parce que si tu sabotes mon gagne-pain, mon commerce, ça veut dire que tu veux me tirer par le bas. Et qu'est-ce que moi je vais donc foutre avec toi? Qu'est-ce que moi, tes collègues là, tu as appris un jour que l'une d'elles a saboté mon commerce? Non, mais toi tu l'as fait et tu ne cesses de le faire. Tu le fais chaque jour que Dieu a créé. Bon, elle va donc coller mon image à toi pour faire quoi avec? Donc toi tu vas te lever, tu vas saboter mon commerce, tu vas vilipender la sueur de mon front. Quelque chose que toi, tu peux rien créer. Rien créer. Tu vas le faire, je vais te regarder. Ah ben non. Je vais te traiter de la plus belle des manières, puis ça ne chauffe pas. Hein? Je vais te traiter de la plus belle des manières, puis ça ne chauffe pas. Hein? Elle s'est mis, la honte a foutu le camp. Elle a supplié. Je l'ai supplié, ça te regarde à quoi? Ma? Tous les jours, tu n'es pas en train de supplier ta part de mariage là-bas. Ou on te tape, on te repasse, mais tu es toujours en train de supplier. Hein? Tous les jours, tu n'es pas en train de nous fatiguer. Le mariage, on te tape, on te repasse. Toi, tu es venu pleurer. Ça. Touéré a voulu me tuer. Touéré a voulu me tuer. Les mains écorchées comme ça, là. Bien écorchées. Hein? Tu n'es pas en train de supplier. Tu ne supplies pas, mamie. Moi, on ne me tape même pas. On me chouchoute seulement. C'est moi qui viens souvent faire ma part des caprices de femme capricieuse. On me dit que, hey, madame, tu fais là trop de caprices. Calme-toi un peu, hein. Parce que sinon, on va regarder ailleurs. Je me rends compte que, hey, non, que je redescende un peu sur terre parce que on peut regarder ailleurs. Là. Moi, j'ai même le droit de supplier. Toi, tu supplies quoi? Tu supplies quelqu'un qui te tape, il te repasse. Hein? Quelqu'un qui te tape, il te repasse. Tu vends ton seul terrain que tu à la sueur. Je ne sais pas si c'est à la sueur de quoi que tu l'as acheté, ou c'est à la sueur des fesses, ou c'est à la sueur du front. Je ne sais pas avec quelle sueur tu l'as acheté. Tu prends, tu lui donnes, il prend l'argent sur ça, il va toquer porte, un toquer porte lugubre. Tu viens me chercher, Ngosa. Ngosa, c'est moi que tu cherches, tu me peux. Hein? Ton brassard que tu as remis là, que tu veux les clashs là, ça est moi. Moi, je ne parle pas beaucoup, hein. Mais quand je sors,
Moi, je ne vais pas faire comme toi que tous les jours. Mais quand ils sont, ils t'allument. Ah oui. Mon problème est où? Oh, est-ce qu'elle n'est pas alors collée? Mais tu as collé à Ndolé Miondo, non? La personne, voilà, qui t'a déposé au carrefour. Ndolé Miondo ne t'a pas déposé au carrefour en plein jour. Hein? Je peux coller mon image à celle, les gens comme ça. Qui veut que tu colles son image? Tu as quelle image? C'est moi qui ne peux pas coller mon image à toi. Ngonjan, c'est moi là qui ne peux pas coller mon image à toi. Parce que coller mon image à toi, c'est me rentrer en arrière de 100 ans. Alors que moi, je vais avancer. C'est moi qui ne peux pas coller mon image à toi. N'importe quoi. De tous les noms, tous les jours, c'est un matin Gondjan. Cet dimanche, qu'est-ce qu'il a en plus son ventre avec les plombs du nez là? Ma, je t'appelle Gondjan parce qu'on voit comment la famine te fatigue. Comme tu as eu le gombo aujourd'hui là, tu as eu deux gombos aujourd'hui. Tu es en train de découper deux gombos, il faut que tu viennes par là et d'aller. Parce que tu as eu deux gombos aujourd'hui à manger. Gondjan, j'ai rempli mon ventre de croque de nez. Même pour avoir les croques de nez là, pour que les croques même poussent sur ton nez, maman, il faut bien te nourrir. D'accord? Tu as compris? Toi, tout est sèche sur toi. Même voilà, même la peau qui sèche. Hein? Tout est sèche sur toi. Parce que la famine veut ta mort. Parce que tu es incapable de te nourrir. Tu as eu deux gombos, non? Oui, oui. Tu dois parler de moi. N'est-ce pas? Je ne suis pas en Gondjan, ma. Je ne suis pas en Gondjan. Je ne te demande pas. Mais voilà, regarde Gondjan. Regarde-moi, je suis malade là. Je pouvais m'allonger là. Hein. Je pouvais m'allonger là, mais j'ai dit que non. Même malade, je pars au travail. Alors donc, je ne peux pas être un Gondjan. Le Gondjan ne peut pas. Hmm? Alors que si c'est toi là, ce que tu as amené ta soeur là, oh, mais moi, les oranges, et ma tête cachée. Ma tête cachée, et je suis un partisan. Vraiment, la grippe là, ça va me tuer. Ma tête cachée, ma tête cachée. Tu parles à qui? Regarde-moi une feignante comme ça là. Et moi, il va venir coller mon image à une feignante. Si on t'a dit que la feignantise, c'est mon combat. Non, 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 non. La feignantise, c'est pas mon combat. Le courage et la bravoure, mon combat. Oui, oui, oui. La persévérance, c'est mon combat. Oui, 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 oui. La niaque, mon combat. Oui, oui, oui. Regarde-moi ça, Sombo. Maman, si tu te prends, hein? Mais qui t'a même menti que... qui t'a même menti que tu es ça? Tu n'es rien. Tu es un Gondjan. Voilà. Je voulais vous prendre à témoin. Parce que vous qui venez souvent là que... Oui, mais machin truc. Quand il était en train de me laver là, dites-lui de m'éviter. Voilà. Maintenant, je vais vous faire écouter autre chose. Les œuvres de la famine. Toujours en train de faire les lives qui ont trait à la mendicité. Chouan Nambunga. Tu parles à qui? Parce qu'il n'y a comme ça. Écoutez ça aussi. Écoutez quelqu'un, hein, avec ses contradictions. Elle-même. Excusez-moi. Après ma séparation, quand on s'est séparé là, Écoutez. J'ai compris que il y a des gens encore qui m'aiment. Ouais, hein? J'ai vu les sympathisants de la TKC. La TKC se mettre vraiment. Donc vous croyez que c'est 1000 euros qu'elle a dépassé? Aux sympathisants de la TKC ou à la TKC à me donner. Donc ne vous dites pas que parce que j'étais avec mon ex-collègue que ma vie priait, je suis désolé. Hein? Stop. Ah, Sandra, qui dit que quand elle va rentrer ses vacances, elle me fait un PayPal. Quand j'étais avec mon ex-collègue, elle pouvait me donner ça. Qui gagne? Elle n'a même pas honte. C'est à mon avantage maintenant. Toutes les personnes qui me donnent maintenant là, c'est depuis que le contrat a été rompu, que tout le monde l'a maintenant. Voilà quelqu'un qui dit que elle ne peut pas coller son image à moi. Hein? Voilà quelqu'un, hein, qui dit qu'elle ne peut pas coller son image. Hein? Voilà Sandra qui dit qu'elle va rentrer ses vacances, elle va me faire PayPal. Quand j'étais avec mon ex-collègue, est-ce qu'elle pouvait me donner?
Ce qu'on te donnait quand tu étais avec ton ex-collègue, ça n'allait même pas te donner la moitié de ça. Toi-même, tu le sais. Et c'est ça que tu pleures là. Ce que tu pleures là, ce que tu fais là, c'est les pleurs du bolet. Voilà. Tu es en train d'envoyer le message à Sandra Kerr. Tu es en train de dire à Sandra Kerr, quand j'étais avec mon ex-collègue, je mangeais, mon frigo était tout plein à cause de vous, de votre sorcellerie. Hein? Voilà mon amitié avec mon ex-collègue qui est gâtée. Donc aujourd'hui, là, vous avez intérêt à me nourrir. C'est ce que tu es en train de lui envoyer comme message. Vous passez, vous savez, les gens ont dit ce qu'ils ne peuvent même pas dire. Pourquoi on te déjà un peu d'ingrate? Il y a une qu'on appelle Sandra. Écoutez. Elle dit que oui, Flore, elle l'a emprisée sur moi. Mais est-ce que je me plains? Pourquoi vous m'aimez trop? Vous m'aimez trop quoi? Vous m'aimez trop jusqu'à ça, vous avant, vous dites que Flore, elle l'a emprisée sur moi. Je vous ai dit depuis hier que j'aime ça. Que Flore, elle l'a emprisée sur moi. Elle aime où Flore? Quand elle me dit d'aller rapprocher, là, je rapproche tout de suite. Ça vous fait mal où? Si Flore. Ngoza. Tu m'as dit tout à l'heure que la honte a foutu le camp. Ma collègue, son ventre est toujours qu'on va lui donner. Oui, 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 oui. Son verbe, oui, le verbe donner, c'est le seul verbe qu'elle connaît conjugué à la première personne du singulier. Tu m'as dit tout à l'heure que la honte a foutu le camp. Parce que je supplie carrément que oui, c'est ma belle famille. Regarde-toi. Tu es en train de. Ça dit, tu es en train de faire les éloges à une femme qui se courbe, elle pisse comme toi. Tu es en train de lui donner tous les éloges de la terre. Tu es en train de dire que tu es en train de. Tu te fais une comme une moins que rien auprès de Flore. Et toi, tu es venu me parler de dignité. Tu es malade. Tu es malade. Sortez-moi la photo là où elle fait sa première réconciliation avec Flore. Flore debout, elle est en bas comme ça en train de danser. Tu parles de soumission. Toi, tu ne peux même pas être une fille Bakoko. Moi, je te dis. Tu ne peux pas être une fille Bakoko. Parce que les filles Bakoko, c'est l'orgueil. Regardez-moi ça. Oh, les Bakoko, là, vous, là, venez écouter votre soeur. Allez, la prise sur moi. Je suis venu me plaindre chez vous pour dire que vraiment, aidez-moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vous ai dit, moi, là, pour me déstabiliser, là, vous voulez me déstabiliser. Quand on vous dit que c'est vous, ce qui sort de votre propre bouche qui va vous tuer. Voilà ce qu'elle disait avant, hein, quand elle était avec Flore. Quand elle mouquait, quand elle mangeait, quand les abeilles envoyaient de partout. Les glaciers de poissons venaient de l'Angleterre. Dans son lèvre, tu pouvais, oh, ma mère prestige la classe. Ouais, merci beaucoup. J'ai reçu, hein, vraiment merci. Oh là là, Marco et moi, c'est à vie. Quand elle mangeait. Satan, tu viens parler. Mandia, ta idiote. Moi, les hommes, on m'appelle que tu as un rendez-vous très important. En direct, les hommes, on m'a appelé devant vous que va à ton rendez-vous. Et c'était un rendez-vous très important, même que si je ratais, c'est ma vie qui avait fini comme ça là. Vous voulez me déstabiliser là. Dis devant plus de 300 personnes ici là que tu aimes Flore et que Flore, toute la famille aime Flore. Regardez la mendicité, elle appelle, elle prend le téléphone. Elle appelle son frère du Cameroun. Ça veut dire quand tu fais même tes conneries, là, laisse même ta famille même à côté. Tu mêles même ta famille dans tes bêtises de ta mendicité que tu fais. Elle prend le téléphone. Elle appelle son frère, son petit frère du Cameroun. Dis devant ou près de 1000 personnes ici, là, que toute la famille aime Flore. Mais l'amour que vous avez pour Flore est parti aujourd'hui, c'est fini. Vous avez mis ça où? L'année où il dit. Vous allez continuer à me chercher. Marie-Claire, tu me fais seulement les remember, tu déposes. Je fais le reste. On t'écoute. Ouais, non. Tout le monde connaît déjà. C'est son frère qui parle. Merci. Allô, Cameroun, c'est qui son frère? Allô. Entre l'emprise de Gabi, bon, entre que je sois dans l'emprise de Flore et l'emprise de Ténébreux, tu préfères quoi? T'es seul à l'emprise de Flore? Ouais, alors, ça a l'air pion, ça, quand tu dis ça. Ils peuvent mourir. Même ta mère dit ça. Même ta mère dit que Flore, c'est mon enfant. Flore, c'est ma fille. Ça a l'air choc. Hey, on est ensemble au pays quand on arrive, Gabi. Coucou.
beaucoup, ma Carly douce. Tes deux grandes sœurs seront là. C'est toi qui nous occupais dans l'avion. Bon, ta mère, je te prends alors. Ouais. Mais Jean, je suis avec Flore. Oh, quand je parle de Flore, j'ai des frissons. Eh, qui est? Je suis Flore. Eh, Antiwama, Anawama. Voilà quelqu'un qui vient me traiter de sans personnalité. Une autre femme qui se courbe, elle pisse comme elle. Qui s'envole dans le monde entier pour chercher sa vie. Elle assise. Je suis avec Flore. Quand je parle de Flore, j'ai des frissons. Eh, hey, Anawama. Ouais. L'enkwa. Eh, hey, l'enkwa. La honte d'enkwa. Wallahi bilahi. La honte de quoi? Et c'est à ça que moi, il n'allait. Femme entreprenante, femme battante de mon état. J'ai venu coller mon image à toi. Une affamée comme toi là. Une mendiante pro max. Moi, j'ai venu coller mon image à toi. Quelle image? Quelle image? Merci Annie Annie. Quelle image? Hein? Vos bêtises que vous faites sur la toile là. Allez-moi dedans, hein? Voilà un dollar million qui a pris ses jambes au cou. Elle est en train de vous poum. Parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas. Quelle image? Oh, l'image. Imbécile au carré. Que tu penses, toi, tu vas venir te mettre à Mondo Vision. Tu vas même manquer de respect à Mondo Vision. Moi, je vais venir le faire back-back. Hein? Tu me manques de respect à Mondo Vision. Je te manque de respect à Mondo Vision. Ah oui? Ça ne chauffe pas. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu me manques de respect à Mondo Vision. Je te manque de respect à Mondo Vision. Et propre. Et puis ça ne chauffe pas. Satan. Nyameyi dit. Mets la bouteille dans la bouteille à Tchoulou. Si c'est elle qui me mettait dans la bouteille, j'assume, je prends. Je suis venu pour aller chez quelqu'un. J'aime la maltraitance qu'elle me fait là. J'aime la façon que Flo me maltraite là. J'aime la façon qu'elle a de l'influence sur moi. J'aime la façon qu'elle me domine là. Je suis venu me plaire. J'ai fait un direct ici pour pleurer que, wow, sauvez-moi de l'emprise de Flore. Sauvez-moi de ceci de Flore. Je suis venu me plaindre chez quelqu'un. Vous m'aimez trop. Vous m'aimez trop. Si vous m'aimez là, je viens me désolariser. On dit quoi? Désolariser. Donc, je dis pour toutes les personnes là qui viennent dire que voilà, oh, Flore a fait comme ça. Je suis jamais venu faire un direct ici pour dire que vraiment, sauvez-moi, aidez-moi. Et dis, hein, c'est même les gens là. Les Bassandra, les Baélise, parce que les haines débordent. Parce qu'une comme toi là, la qualité c'est là. Moi, toi là, avec ce qui a, tu as sorti de ta bouche là, je ne peux plus jamais, ça dit au grand jamais, même me retrouver quelque part avec toi-même pour prendre un pot. Hein? C'est-à-dire que pour prendre un pot, mais c'est les mêmes gens là, vous êtes les mêmes gens. Les gens qui ne connaissent pas la honte. La honte a foutu le camp chez vous. Hein? La honte chez vous a foutu le camp. Sinon, moi, je vais faire comment pour me retrouver avec toi, avec tout ce que tu as sorti de ta bouche. Comment tu maudissais les gens qui étaient soi-disant des tati à une époque. Regarde comment tu les maudissais. Regarde. Regarde comment tu les maudissais. Parce qu'à l'époque, là, tu mouquais. Tu étais ainsi dans le moukage. Hein? Ça venait de partout. C'était toi la yamtante. Hein? Depuis que Flore a fait la paix avec sa yamseur, le mot tribaliste est dans ta bouche. Oh, oh, les bamleke de la toile. Oh, le tribaliste. Quand elle avait fait la paix avec toi, tu ne connaissais pas le mot tribaliste. Depuis que Flore et Lolo sont en paix, le mot tribaliste sort chaque temps dans ta bouche. Quand elle était en paix avec toi, c'était pas le tribalisme. Hein? C'était pas le tribalisme. Quand tu t'asseyais, tu mouquais. Ça venait de partout. Tu insultais tes soi-disant te cacheux à ta guise. Hein? Tu les insultais à ta guise. C'est eux-là qui sont bêtes. C'est eux-là. Et toi, tu viens parler de coller ton image. Quelle image, là? Quelle image? Hein? Même si tu es la dernière des influenceuses sur terre, qu'il faut que je passe seulement par toi pour vendre mes savons, hein, je ferme la société. Toi là, seulement les ferme la société.
Moi, t'es maman. On me parle, toi aussi, tu vas venir me parler. Sombo. Tu ne me représentes à rien. Tu penses que tu ne peux pas me représenter. Tu as compris, non? Tu ne peux pas me représenter. Tu ne peux pas me représenter. Tu vas représenter les cendres. Oui. Voilà. Les Élisée Bissot. C'est elle que tu vas représenter. Moi, tu ne peux pas me représenter. Tu veux me représenter en quoi? Une affamée comme toi? Une mendiante pour moi comme toi, une illettrée comme toi. Moi, je ne suis pas illettrée. Hein. Je ne suis pas illettrée. Hein. Je sais lire, je sais écrire. Même si je lis avec les. Même si je fais les fautes, je sais quand même écrire. Je sais que M-A-M-A, ça fait maman. P-A-P-A, ça fait papa. Tu as compris? Voilà. Donc, je ne peux pas me considérer comme une illettrée. Je suis désolée. Je fais peut-être des fautes d'orthographe, parfois. Mais oui, mais je ne suis pas illettrée. Toi, tu en es une. Tu vois, moi, il va venir coller mon image à toi et l'an où il dit. Mais voilà l'an, Satan. Jusqu'à ce que tu me t'assoies. Tu me traites de celle-là qui mange les crêpes là. Celle-là qui. Maman, mes crottes de nez là, c'est un caviar. Tu sais pas ça. Regarde-moi d'abord comment je suis bien charnue. Donc, tu peux imaginer la crotte qui sort de mon nez. Hein? Même quand j'attrape le rhume, c'est aromatisé, c'est un rhume classique, un rhume élégantia. Donc tu peux imaginer la crotte de nez que ça peut faire là, Sombo. Tu as eu deux gombos. Aidez-moi, je suis jamais venu voir quelqu'un pour ça. Jamais. Ne m'invite pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous écossier. Faire les réunions pour pleurer de là-bas. On ne pleure pas ici, je ne comprends pas mes gens. Il y a un problème. Flore est une mère d'enfant, grand-mère, moi pareil. Nous sommes des deux personnes adultes. Nous avons des gens qui nous aiment pour de vrai. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et on ne peut pas leur juger parce qu'ils ne nous aiment pas. Parce que nous sommes des gens qu'on n'aime pas. Attends. Toi-même, tu es illettré. Ton français est au niveau des bas. Bon, moi, j'ai un français qui est au niveau des bas. Elle n'en a même pas. L'année où il dit. Il y en a beau ici, là, je te bloque. Je suis un mbunga. Ce qui est sûr, c'est que moi, dans mon électra, là, je ne m'en dis pas. D'accord? Voilà. Dans mon électrage, là, je ne m'en dis pas. On ne peut pas me tromper. Voilà. Avant de lire, on ne peut pas me faire signer quelque chose. Je vais lire, je sais lire. Je vais lire ce que je suis en train de signer. Tu as compris, non? Pécile au carré. Yamaïdi. Moi, je peux regarder quelqu'un comme ça, vous savez quoi j'ai. Oh merde. Mon sang ne donne pas avec toi. Flo et moi, nous avons décidé d'aller de l'avant ensemble. Hein? Où nos deux familles sont très contents. Moi, les gens sont en train de pleurer que le 9 et le 10 sont fait la paix. Il faut qu'on fasse tout. Il faut qu'on ait. Vos deux familles sont très contents. La famille de Flo ne te connaît pas, elle ne t'a jamais connue. C'est toi, dans ta mendicité, qui a ramené toute ta famille dedans. Tu connais la famille de Flo? Hein? Tu connais la famille de Flo? Je ne pense même pas que tu as même parlé même un seul jour avec même le fils de Flo qui est à Lille. Même parler avec lui au téléphone, dans tout votre chat, tout là là. Je ne pense même pas que même avec le fils de Flo, tu as parlé. Donc tu étais seul dans ton film. D'accord? Flo avait pitié de toi. D'accord. C'est toi qui as soulevé toute ta famille pour bien confirmer ta mendicité. Parce que toi, tu es tout dans les stratégies. Les stratégies pour bien asseoir les gens dans ta tête. Tu penses que ta stratégie, c'est dans ta tête. Tu es sûr. Tu es clairement sûr que Flore, tu l'avais mis dans la poche. D'ailleurs, comme tu le dis dans une vidéo sortie de ton grand frère, tu t'es convaincu qu'elle était dans ta poche. Et que tu allais manger à vie, habitat éternel. Tu ne savais pas que tu n'avais pas vérifié que la poche avait les trous. Voilà. Et que le trou qui était dans la poche allait s'agrandir jusqu'à ce qu'un jour, Flore devait te retrouver. Dehors, là, poum, par terre. Que, hey, je suis où? Donc, je suis sorti de la poche là. N'importe quoi. En tout cas, Flo a la sagesse du village. Tu étais seul dedans. Nos deux familles. Tu connais la famille de Flo? Tu connais quel membre de famille de Flo?
Hein? La preuve, appelle la réconciliation. Hein? Voilà. Et où c'était quoi là? Tes soi-disant supporters de la toile là qui parlent de la dépendance affective. Après, appelle la séparation, tu es malade. Hein? Avec toute la famille que toi, Ngosa, tu as ici versé ici en Bec. Toute la famille que tu as qui est versée ici en Bec. C'est Flore qui vient te secourir dans ton lit de malade. Tu l'ouvres ta porte grandement. Tu penses que pendant votre amitié là, Flore n'a jamais été malade. Pourquoi elle t'a pas aussi dit que ouais, Marco, je suis même malade, hein? Pardon, je t'envoie l'adresse. Viens t'occuper de moi. Parce qu'elle ne mélange pas sa vie virtuelle et et sa vie privée. Bonjour, Véni Germain. Vous n'avez pas de vie. Pour vous, le virtuel et le privé, tout est mélangé. Pas. Durant toute votre série d'amitié, là, tu connais la route qui partait chez Flore. Elle t'a amené chez elle un jour. L'amitié n'avait même pas fait 6 mois que tu as ouvert ta porte. Bah, tout ça à cause de la mendicité. Hein? À cause de la mendicité. Tu as ouvert ta porte. Bah, nos deux familles ont béni l'amitié. Ta famille, oui. Parce que tu as mené ta famille dedans. Tu connais un membre de la famille de Flore. Tu connais pas. Tu connais rien de la vie privée de Flore. Tu pensais connaître, mais tu connais pas. Parce que derrière te connaissant, comme tu es mesquine là, si tu savais vraiment quelque chose de la vie privée de Flore, tu l'aurais déjà mis dehors, même en passant par tes gens. Regarde ce que tu as fait à ton acolyte l'autre là. Ndolo Moulema. Arrête. Regarde ce que tu as fait à Ndolo Moulema. Hein? Donc ça prouve que si tu avais les choses sur Flore, c'est que tu as même déjà balancé. Oui. Tu vas passer même par tes acolytes pour le balancer. Tu es mauvaise. Ouais. Tu es une mauvaise personne, Moussa. Ton cœur est noir. Continue à me provoquer. Tu penses que les gens ont peur de toi, là. Quand encore, pour ma famille, pareil, tout le monde est content. Nous, nos familles sont en paix. Maintenant, vous nous encouragez. Ceux qui nous encouragent, on est avec vous. Ceux qui ne nous encouragent pas, on vous donne un coup de pied au cul. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il y a les abeilles qui ne vont jamais accepter. Comment vous connaissez là sur la toile? Moi, je suis dans mon coin. Hein. C'est elle qui m'a provoqué. Je ne fais pas le combat de Flore. Parce qu'on vous connaît. Elle dit que je vous ai d'abord mis la vidéo où elle m'a bien provoqué. Je ne fais que répondre. Voilà. Je ne fais pas le combat de Flore. Flore, c'est ma baisse, certes. Mais je ne fais pas ce combat. Flore a toute une équipe. Elle a toute une team. Que si elle veut, cette team-là pas en guerre pour elle. Non. Donc, on vous connaît là avec l'amalgame. Je ne fais pas les combats de Flore. Elle n'a même pas besoin de moi pour faire ses combats. Oui, je réponds. Elle m'a provoqué, je réponds. Vos histoires là, non, tu réponds à tout. Non, elle n'a pas à me provoquer. Oui. Elle n'a pas à me provoquer. Elle me provoque, je lui réponds bien et bien même. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Je n'ai obligé personne à accepter cette paix. Celui maintenant qui n'aime pas cette paix, hein, reste dans son coin et respecte. Oui. Que de faire des tapages? Vous faites des tapages par rapport à quoi? Nous sommes des personnes adultes. Ça ne nous dérange pas notre paix. Collez-moi la paix, collez la paix à ma copine. Bonjour, moi je vais parler et je serai vraiment cruant. Donc, excusez-moi, je sais que déjà les avocats qui vont arriver là tout à l'heure dans ton direct, qu'ils y sont même déjà. Non, mais Marie, c'est toi qui parles. Je vais parler de toi, qu'est-ce qui s'est passé? Où est la compresseur d'avant? Où est la compresseur d'avant? Mais la compresseur d'avant, elle est Écoutez ce qu'elle va même dire. Écoutez. La compresseur d'avant, elle est là-bas derrière. La compresseur d'avant, c'était tout du bien d'avant. C'est la vie d'avant, c'était la gringa. La compresseur d'avant, c'était la gringa.
Elle répondait à Sandra, qui est montée dans un direct, pour lui demander, à l'époque, elle était avec Flore. Donc Sandra demande là-bas que, où est notre compression d'avant, notre haineuse? Notre haineuse que nous connaissons d'avant, elle est où? C'est là où elle répond à Sandra en disant que la compression d'avant est restée avant. Elle n'est plus là. C'était la gringa. Aujourd'hui, elle se lève, elle montre son corps. Qu'aujourd'hui, vous avez une compression bien potelée. Une compression qui a les mémans. Une compression jusqu'à étape même ses lasses. Il va vous montrer. Eh, écoutez. Qui n'avait pas d'issue, qui n'avait pas de devant, pas de derrière. Qui vivait en Europe comme si elle ne vivait pas en Europe. Est-ce que la compression d'en bas, c'est celle qui n'avait pas d'issue? Celle qui n'avait pas de devant ni de derrière. Celle qui vivait en Europe comme si elle ne vivait pas en Europe. Ça sort de sa bouche. Hein? De sa bouche. Ce n'est pas Maroc qui parle. Elle qui dit. Elle répond à Sandra. En disant à Sandra que la compression d'avant qu'elle ne se connaisse Flore. Avant que Flore n'entre dans sa vie. Hein? La compression d'avant, c'est celle qui était un gringa. La compression d'avant, c'est celle qui vivait en Europe comme si elle vivait au village. C'est elle qui dit oh, c'est pas moi. La compression d'avant, c'est celle qui n'avait pas le devant ni le derrière. La compression d'avant, c'est celle que Flore a ramassée sous un pont. C'est elle qui dit, c'est pas moi. Ça sort de sa bouche. Oh. Oh. Et ouais, peut-être. C'était ça la compression d'avant. Voilà. Aujourd'hui, la compression d'aujourd'hui, Je vous montre la ça se compression. voit. Je n'ai pas besoin de parler. Voilà. Ça se voit. Voilà. Elle va se lever. Elle va Mon monter. gars, Mon gars, elle me manque. hein? La C'est ça compression la compression d'aujourd'hui qui est de avec maintenant. Flore. Votre compression d'avant, qui était moins de choses, l'eau tombe de ta mère. Ta mère a fait que c'est fini ça. Et quand tu manques de toi maintenant partout, tu es devenu la Russie de tout le monde. Et qui se moque de moi? Je suis devenu la Russie de vous. Je suis votre rusée à vous. Je suis votre rusée. Je ne sais pas à quel moment je suis devenue la rusée de tout le monde. Quand on vous entend parler, on sent que je suis votre rusée. Je ne marche plus comme vous voulez. Je ne suis plus dans les clashs à la con, n'importe comment, comme vous aimez. Comme j'insultais Flore, j'insultais ses enfants, j'insultais ses entrailles, j'insultais tout. Aujourd'hui que je n'insulte plus ça, je suis devenue votre rusée. Ça vous énerve. Parce que vous savez, vous saignez, ça vous excitait. La haine que j'en avais en moi, la haine que je sortais à moi, vous saignez ça vous excitait tellement que vous n'arrivez pas à comprendre que, mais attends, la vie, c'est simplement de construire avec la fille là. Non, elle n'a pas pu nous faire ça. Nous sommes au chômage. C'est ça. Maman, c'est notre propre bouche qui va nous tuer. Elle avait goûté, non? Elle répondait à Sandra. Donc, si Sandra aujourd'hui, elle revient jusqu'à Sandra lui envoie l'argent, ça veut toujours dire que elle est redevenue la compression d'avant. C'est-à-dire que pendant que les gens avancent, elle est redresse. Elle avait quitté la compression d'avant pour être à une compression qui n'est plus dans la haine, qui a l'élément, qui a tout. Et maintenant, au lieu de continuer à avancer, elle est plutôt encore retournée derrière pour retourner la compression que Sandra aime, au point où Sandra lui envoie les PCS. Posez-vous des bonnes questions. C'est ça, moi, et bien coller mon image à toi. Tu es malade. Fais-toi soigner, Ngossa. Ngossa, il faut te faire soigner. Hein? Ah oui, moi, je te dis ça. Faut te faire soigner. Les proches de Ngossa, là, votre soeur, là, elle va pas bien du tout. Elle a un problème. Ouais. Non, non, parce que je sais pas si elle s'entend. C'est elle qui vient me parler d'image. Elle, là. Qu'est-ce que moi, les gens comme ça, c'est moi, ils peuvent alors coller mon image à eux, moi. Donc, moi, je vais laisser mon image. La carte que je bois là, c'est-à-dire que pour me faire une place dans la société, pour m'asseoir dans la société, je vais venir te chercher, toi. Celle qui, au lieu d'avancer, redresse. Ngossa est comme le Cameroun. Comme Ngossa est à l'image du Cameroun. Comme vous voyez le Cameroun là, ça, c'est Ngossa. Pendant que les pays avancent, les pays vont dans l'évolution, hein, ou même les petits pays d'hier, voilà le Burkina qui est en train de vous faire un aéroport pas possible. Non, le Cameroun, lui, il redresse, il rentre à l'arrière, ça c'est Ngossa. Et c'est à ça que moi, je vais venir coller mon image. Ngossa est à l'image du Cameroun.
Et moi, il veut venir coller mon image à toi. Calme. Calme. Mais c'est la honte. Je vous rappelle que le discours qu'elle a en train de tenir ici, là, elle tenait ça à Sandra. Sandra qui disait qu'elle ne la reconnaît plus. Aujourd'hui, elle tient le discours comme quoi, quand j'étais avec ma copine, est-ce que Sandra... Mais attends, Ngosa. Je dis, vous les proches de cette femme-là, elle va pas bien. Elle va pas bien. Moi, je vous dis ça, elle va pas bien. Ah oui. Elle va pas bien du tout. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut être aussi bête. Mon frère, tu es obligé de parler. Est-ce que même quand tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de faire le live si tu n'as rien à dire? J'ai dit qu'elle est à l'image du Cameroun. Ngosa est à l'image du Cameroun. C'est moi qui dis ça. Pendant que les pays, même les plus petits pays du monde, sortent de la promiscuité et avancent dans le développement, le Cameroun, lui, il redresse. Ça, c'est Ngosa. Elle est à l'image du Cameroun. Et comme elle redresse, il faut amener tout le monde à redresser comme elle. Mais tu es malade dans ta tête. De waboua mlopo. Konamou. Tu es malade. Je vous dis, vous, ces proches-là, elle ne va pas bien. Vraiment, elle ne va pas bien du tout. Elle ne va pas bien. Aujourd'hui, Sandra Pierre disait hier que non, je n'étais pas mandatée. Je suis bien, ma copine. Et j'ai déjà les mimans, j'ai déjà les popotins, j'ai tout. Et vous voulez que quoi? Machin truc. Aujourd'hui, elle dit que... Hein? Voilà Sandra qui dit qu'elle va me faire un PayPal. Est-ce que quand j'étais avec ma copine, elle pouvait me faire ça? Elle pouvait me donner? Mais attends, vous trouvez que ça, c'est quelqu'un qui est normal? Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Moi, je ne suis pas allée prendre quelque part. Hein. Je te mets en face de tes propres dires. Compris ça. Tu as compris? Je te mets en face de tes propres dires. Il faut arrêter de chialer. Oui, oui. Il y a les périodes de vaches maigres chez tout le monde. Et quand ces périodes-là arrivent, une personne consciente, ce que tu fais, tu retrousses les manches. Tu retrousses les manches. Oui. Tu te mets dans un travail acharné qui portera ses fruits, quel que soit ce que tu fais. Il faut arrêter de venir chialer tous les tours. Tu es devenue chialeuse. Dès que tu lances le live, tu es en train de chialer. Oui, on dit que je suis tribaliste. Oui, je crache ce que les Bamlékés me donnent. Oui, non, je ne crache pas ce que les Bamlékés me donnent. Je ne peux même pas, même si je vais être tribaliste, je ne peux pas être tribaliste, parce que je ne peux même pas d'ailleurs, ça ne passe pas. Et les gens qui m'ont toujours aidé, c'est les Bamlékés, c'est votre chanson. Vous tous un quoi, soi-disant quoi là, sans personnalité, sans aucune cervelle. Quand vous voulez là manger, vous voulez là que les Bamlékés qui vous suivent là. C'est intéressant à vous, voilà votre chanson. Et je ne suis même pas tribaliste, hein. Et je ne peux même pas être l'autre là-bas de Suren, là. Elle porte que le ndop. Hein? Elle porte le ndop, elle vient s'asseoir. Papak! Papak! Il faut arrêter. Vous souillez les gens. Vous êtes les sueurs des gens. Hein? Vous êtes les sueurs des gens. Vous donnez le spectacle aux gens et vous voulez me mêler dans vos bêtises. Mais mêlez pas les gens, hein. Ouais, vous dites ça, hein? Oui, ne me mêlez pas dans vos bêtises, là. Je ne suis pas votre camarade. Je vous dis ça, Hora. Ne me mêlez pas. Aujourd'hui, vous êtes des belles sœurs. Ma belle sœur, hein? Tu m'invites, l'autre pleure les invitations. L'autre pleure la famine. Quel beau Dieu. L'autre, si ce n'est pas les invitations, qu'elle pleure. Hein? Oui, oui. Et moi, elle invite, tu invites que les deux filles bamilekées là. Hein? Tu ne m'invites pas. Hein, tu n'invites pas ma belle-sœur. Hein? Donc, ça, même si on t'invite, tu as l'habit pour porter. Hein? C'est encore la teur cacheuse qui va acheter l'habit.
Tu as l'habit pour porter. Déposez-moi, hein. Déposez-moi. Voilà. Hmm? Moi, je donne le respect à ma belle famille, c'est normal. Moi, je ne fais pas la mendicité comme toi. Toi, tu mendiais. Oui, tu leur faisais les éloges parce que tu mendiais. Moi, je leur fais les éloges en tant que leur femme. Eh oui, comme tu le fais d'ailleurs. Avec ta belle famille Boulou qui te tape, qui te tabasse, qui te repasse. Aller et retour. Mais tu es là, chaque jour. Tu es en train de brûler les nerfs. J'ai fait le gambo. J'ai fait le poisson de Tuéry. Tonton Tuéry. Il va manger ceci. Laisse-moi. Laisse-moi. Toi, tu connais ma sale bouche et tu viens tout me chercher. Quand il y a quelqu'un qui me lave sur la toile, donc on peut aussi te laver. C'est toi qui as le brassard, non? C'est pas toi qui as le brassard, ma misa. C'est pas toi qui as le brassard. Donc on peut te laver aussi. Je pensais que tu as le brassard. Cuisine tes gombos là-bas. Et c'est parce que tu es caché. T'as offert aujourd'hui, là où c'est des. C'est les trucs que tu vas faire aujourd'hui, je ne sais pas. Enlève-moi dans ta bouche. Regardez. Et celle qui me lave, elle me lave tout le temps. Je te lave parce que tu me souilles. Tu es une souilleuse déjà. Tu me fais honte. Oui. Tu es une souilleuse de personne. Tu t'es vu? Tu appelles toute la famille. Eh? Oui. Machin. Dans la vie, c'est du donnant-donnant. Et c'est ça qui impose le respect. Mais est-ce que tu peux alors comprendre tout ça? Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre. Tout le monde, chacun a besoin de chacun. Chacun a besoin de chacun. Dans la soirée de Flora, même si c'est deux personnes que je lui ramène, j'ai fait ma part. Oui. Et quand je vais aller là-bas, je vais aussi trouver les clients. Elle a fait sa part. C'est ça la vie, les règles de la vie. C'est du donnant-donnant. C'est comme ça qu'on s'impose dans une société. Pas avec la mendicité. Tu viens toujours avec ton ventre. Tu pars partout avec ton ventre. On ne doit pas te dire ça que tu es qui. Tu souilles les gens, dis donc. Regardez toute l'amitié que tu as fait avec Flore. Je mets des gens au travail. L'acteur caché, je vous mets au travail. Sortez-moi les vidéos de Flore dans leur, pendant leur amitié où Flore faisait les mêmes choses que votre leader faisait à Flore. Je vais les décrypter aussi ici. Sortez-les-moi. Je dis l'acteur caché. Sortez-moi les vidéos où Flore faisait pendant leur amitié, je ne sais pas combien de temps ça a duré, 3 ans, les vidéos où Flore faisait comme Ngonjan a passé le temps à faire pendant leur amitié là. Sortez-moi les vidéos là. Je vais aussi décrypter. Les abeilles vont m'allumer, ce n'est pas grave. Mais ils vont décrypter, ils vont dire que oui. Sortez-les aussi. Sortez-les. C'est tout toi. C'est toujours toi. Et c'est toi qui viens te dire, j'ai la personnalité, j'ai la personnalité. Quand ton ventre fait rrr, la personnalité sort par la fenêtre. Ta personnalité là, c'est seulement quand tu dois faire du mal aux gens. C'est là où tu sais que tu as la personnalité. Hein? Mais quand c'est pour mendier là, la personnalité sort par la fenêtre. Ma copine, ma copine, ma copine, ma copine, tu es ridicule. Hein? J'ai dit la tête cachée. Faites aller aussi dans les remember. Faites comme Marie-Claire. Sortez-les moi. Les vidéos où Flore faisait comme elle. Les quelques fois où Flore parlait même de toi, c'était tout dans tes propres lives. Quand tu es en plein live, en train de lui faire les éloges, elle l'entrait aussi. Et parfois même elle l'entrait dans ton live même. Tu lui laissais tout le live. Tu vous apprenez quoi, Sanjamo? Parfois, quand Flore entrait dans ton live, oh ma copine! Tu lui laissais. Le live devenait pour Flore. La preuve,
Qu'est-ce que ça fait faire partie Nancy? Indolo Mulema, pourquoi on en est arrivé là? Un problème que toi, soi-disant leader, tu pouvais résoudre. Il a fallu que Flore rentre des États-Unis pour venir parler. Et quand tes enfants se sont plaints, tu as dit que c'est ma copine. Elle a le bâton de commandement. Tu avais encore une chine. Hein? Non, mais attends, Rachel. Et c'est elle qui est toujours en train de dire, elle ose me dire, moi, que ma honte a foutu le camp. Je supplie mon mari. Je demande des excuses à mon homme, mon mari. Tu me dis que la honte a foutu le camp. Hein? Tu me dis que la honte a foutu le camp. Parce que je demande des excuses à mon mari. Et tu parlais de connaître le mariage. Tu connais quel mariage? Hein? Alors que tous les jours, on te tape, on te repasse, et on te repasse. Tu es là. Laisse-moi, hein. Pour aujourd'hui, c'est bon comme ça. Parce que mon heure a sonné. Voilà. 8h46, je m'en vais. Je m'en vais pointer ma journée. Voilà. Et parlez de moi, vous m'envoyez. Oui. J'écoute ce qu'elle dit, me concernant. Et j'envoie Marie-Claire dans les remembers, me sortir les remembers. Baisser au carré. Satan. C'est moi qui t'avais dit d'aller être le larbin de Flore dans votre amitié. Je t'avais envoyé être son larbin. Mais tu étais son larbin. Attends. Tu étais son larbin. Et tu voulais qu'elle fasse quoi? Tu étais son larbin parce que tu avais faim. Hein? Parce que tu es incapable de bouger, de te bouger. Hein? Tu sais, tu appelles ton frère du Cameroun. En plein direct. C'est toi qui viens me parler. Tu es malade, Wabwanjo. Tu viens parler à qui? Non, c'est ta sœur. Elle parle lui en privé. Elle parle aux gens en privé. Elle est qui? Ngo, ça est qui? Elle fait votre truc là, ça fait vous qu'elle fait ça. Ngo, ça me manque de respect en privé. Lui manque le respect en privé. Ça ne chauffe pas. Elle est qui? Les filles Bamileke dont tu parles là, elles me respectent. Flore me respecte. Lolo me respecte. Toi, tu me respectes où? Je devrais te respecter pourquoi? Que tu es qui? Tu es qui? Imbécile. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. C'était moi.